Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossier CAPES 2 mathématiques, numéro 7. Thème, géométrie de l'espace. L'exercice. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK, on considère pour tout entier naturel N les points suivants définis par leurs coordonnées. A de coordonnées N, 4, 0. B de coordonnées moins n 0, 0, C de coordonnées moins n 4, 3, D de coordonnées n 0, moins 3. Démontrer que quelle que soit la valeur de l'entier naturel n, les droites AB et CD sont sécantes. Extrait du programme de mathématiques classe terminale de la série scientifique, géométrie dans l'espace. Dans cette partie, il s'agit d'une part de renforcer la vision dans l'espace entretenue en classe de première, d'autre part de faire percevoir toute l'importance de la notion de direction de droite ou de plan. La décomposition d'un vecteur d'un plan suivant deux vecteurs non collinéaires de ce plan, puis celle d'un vecteur de l'espace suivant trois vecteurs non coplanaires, sensibilisant au concept de liberté et de dépendance en algèbre linéaire. Le repérage permet à la fois de placer des objets dans l'espace et de se donner un moyen de traiter des problèmes d'intersection d'un point de vue algébrique. Le concept d'orthogonalité, une fois exprimé en termes de coordonnées dans un repère orthonormé, fournit un outil pour une caractérisation simple des plans de l'espace. L'objectif est de rendre les élèves capables d'étudier des problèmes d'intersection de droite et de plan en choisissant un cadre adapté, vectoriel ou non, repéré ou non. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. Indiquez en quoi cet exercice répond aux attentes mentionnées dans l'extrait du programme de terminale scientifique. Mettez en évidence deux compétences particulièrement mobilisées dans cet exercice. Question didactique, présentation du problème. Donc là, on est sur un problème de géométrie dans l'espace. Donc il faut montrer que AB et CD sont sécantes. Donc on va montrer que les droites AB et CD sont sécantes, avec A, B, C, D repérés dans l'espace. Et donc, plusieurs méthodes pour montrer cela. Soit on peut montrer que on peut déterminer les équations paramétriques des droites AB et CD. Et ensuite, on trouve l'intersection. Ensuite, on peut montrer que A, B, C, D sont coplanaires, en montrant que A, B, D, C est un parallélogramme. Ou encore, montrant que ABC, donc en utilisant l'équation cartésienne du plan ABC, et en montrant que D appartient à ABC. Bien entendu, on montrera que AB et CD ne sont pas collinéaires, donc le vecteur AB et CD ne sont pas collinéaires, et comme AB et CD appartiennent au même plan, eh bien, comme ils ne sont pas collinéaires, AB et CD sont sécantes. Alors ici, on a l'extrait du programme de mathématiques pour la compétence géométrie dans l'espace. Donc ici, l'exercice permet de renforcer la vision dans l'espace. On a aussi une importance sur la notion de direction de droite ou de plan. On va, alors pour montrer que 3 points, 4 points sont coplanaires, eh bien on peut décomposer un vecteur d'un plan suivant deux vecteurs non collinaires de ce plan. On a aussi que le repérage permet à la fois de placer des objets dans l'espace. Donc là, on va utiliser le repérage dans l'espace, aux coordonnées des vecteurs, etc. etc. Et on pourra aussi donc, traiter les intersections, le problème d'intersection de droite, ici, hein, droite sécante. Déterminer l'équation cartésienne du plan, on va devoir déterminer un vecteur normal au plan. Vecteur normal au plan, si et seulement si il est normal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc ici, on va étudier les problèmes d'intersection de droite et de plan, donc plutôt de droite, en choisissant donc un cadre adapté. Donc là, on va utiliser vectoriel et repéré. Petit résumé de mes propos. Donc problème de géométrie dans l'espace, montrer que les droites sont sécantes. On peut utiliser les équations paramétriques d'une droite dans le plan. Utilisation du repérage et coordonnées d'un vecteur. Équation cartésienne d'un plan, on peut montrer qu'un point appartient à ce plan. Renforcer la vision dans l'espace, notion de direction de droite et de plan, décomposition d'un vecteur, d'un plan suivant deux vecteurs non collinaires du plan. Question 2. Présenter une correction de cet exercice
tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. Alors, correction du problème proposé par le jury. Alors, on a A de coordonnées N4, 0, B de coordonnées moins N, 0, 0, C de coordonnées moins N, 4, 3, et D de coordonnées N, 0 et moins 3. Donc, on se fixe un N appartenant à N. Alors, on va déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, équation cartésienne de ABC, donc du plan ABC. Donc, on va déterminer NA, alors pas N plutôt, on va dire M, petit a, petit b, petit c, donc coordonnées petit a, petit b, petit c, normal, vecteur normal au plan ABC. Donc il est normal au plan ABC si et seulement si il est normal, donc M, normal au vecteur AB et au vecteur AC. Alors on va montrer que AB et AC ne sont pas collinaires. Donc AB a pour coordonnées donc moins n, moins 2n, 0, moins 4, moins 4, 0, moins 0, 0, et AC a pour coordonnées donc moins n, moins 2n, 4, 4, 4 moins 4, 0, et 3 moins 0, 3. Alors ici, s'il existe K, tel que AB est égal à K AC, eh bien ça voudrait dire que moins 2n est égal à K fois moins 2n, et moins 4 est égal à 0 fois K. Ici, 0 est égal à 3 fois K. Donc ici, bah, automatiquement k doit être égal à 1. Or ici, si k est égal à 1, bah, là il y a une contradiction. Contradiction. Si 3 fois 1, 3, mais c'est pas égal à 0. Donc ici on a une contradiction. Donc, conclusion. Les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Qui ne sont pas collinaires. Donc, le si et seulement si ici est valable. Donc, AB et AC non collinaires. Alors, maintenant, on va déterminer donc, un système d'équations. N de M, produit scalaire AB, est égal à 0. Et M, produit scalaire avec AC, est égal à 0. Donc, ici, produit scalaire, ça nous donne. Donc, moins 2n fois a, moins 2n fois a, plus moins 4 fois b, moins 4 fois b égale à 0. Ici, moins 2n fois a, moins 2n fois a, plus 3c égale à 0. Alors ici, on a un système sous-dimensionné. On a deux équations pour trois inconnues. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer A est égal à lambda. Lambda appartient à R. Et on va exprimer B et C en fonction de lambda. Donc ici, B, il va être égal à, donc ici, 2N sur moins 4. Donc moins 1,5 fois N. Et ici, C est égal à, bien entendu lambda c est égal à donc moins 2 donc 2n sur 3 lambda 2 tiers fois n lambda. Donc ici n donc m pour coordonnées lambda moins 1,5 de lambda 2n sur 3 lambda avec lambda appartient à r. Donc on va prendre lambda
est égal à 6. Pourquoi 6? Parce que ici on a dénominateur 2 et dénominateur 3, donc on va pouvoir éliminer les dénominateurs dans les fractions. Donc on a 6 moins 3, et ici 2 fois 6, 12, divisé par 3, 4. 4. Ici, oublié. N, donc 3n et 4n. Donc n, m, donc a pour coordonnées 6 moins 3m, moins 3n, 4n. Alors maintenant, équation cartésienne. Équation cartésienne de ABC. Eh bien, c'est ax, donc 6x, plus moins 3n lambda, donc moins 3n, c'est moins 3n y, plus 4n z plus d est égal à 0. Et d, on peut le remplacer, donc on va prendre b moins z 0, 0. Donc ici, 6 fois moins z et plus d est égal à 0. Donc ici, d est égal à 6 fois n. Donc d est égal à 6 fois n. Donc équation cartésienne, ABC, A pour équation cartésienne, 6x moins 3ny plus 4nz plus 6n égale à 0. Alors maintenant, on a d ici A pour coordonnées n 0 moins 3, n 0 moins 3. Donc on remplace x par n, y par 0 et z par moins 3. On obtient 6 fois n moins 3n fois 0 plus 4n fois moins 3 plus 6n. Alors ça c'est égal à 6n plus 6n ça fait 12n, moins 3n fois 0 ça fait 0, donc ça peut disparaître. 4n fois moins 3, 4 fois moins 3, moins 12, moins 12n, moins 12, 12n moins 12n est égal à 0. Et ça, quel que soit n appartenant à n. Donc n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc 12n moins 12n est égal à 0. Donc d appartient à ABC. Donc on sait que d appartient à ABC, ainsi A, B, C, D sont coplanaires, ils appartiennent à un même plan. De plus, donc AB, on avait dit que c'était donc moins 2n moins 4, 0, moins 2n moins 4, 0, et CD, alors CD ça va être donc n moins moins n, ça fait 0. Ensuite, 0 moins 4, moins 4. Moins 3, moins 3, moins 6. Ne sont pas collinéaires. Pour nous en convaincre, ici, pour passer de moins 4 à moins 4, on va multiplier par 1. Par contre, passer de moins 2 à 0, il faut multiplier par 0. Donc il n'y a pas de coefficient de collinéarité pour AB et CD, coefficient de proportionnalité. Donc on ne peut pas exprimer AB est égal à K fois CD. Donc de plus, AB et CD ne sont pas collinéaires. Donc AB et CD sont sécantes. Petit bonus. On va déterminer les coordonnées du point I des B et CD. Alors, vecteur BA pour coordonnées 2n, 4, 0, et B coordonnées moins n, 0, 0. CD du coordonnées 2n, moins 4, moins 6. C, le point CA pour coordonnées moins n, 4, 3. Donc, M appartient à B, si et seulement s'il existe un lambda appartenant à R, tel que le vecteur BM est égal à lambda fois vecteur BA. Donc on peut avoir donc l'équation paramétrique de la droite AB, x est égal à moins n plus 2n lambda, y égale à 4 lambda, z égale à 0. Alors on a aussi que m appartient à CD, si et seulement s'il existe un mu appartient à R, tel que vecteur CM est égal à mu vecteur CD.
x est égal à moins n plus 2n mu, y égale à 4 moins 4 mu, z est égal à 3 moins 6 mu. Ainsi, i appartient à l'intersection AB inter CD, donc c'est-à-dire ça égale à ça. Donc moins n plus 2n lambda est égal à moins n plus 2n mu, 4 lambda est égal à 4 moins 4 mu, 3 moins 6 mu est égal à 0. Donc on peut déterminer mu, donc ici mu est égal à moins 3 sur moins 6, mu est égal à 3 sixième, donc égal à 1 demi. Et ensuite, ici 4 moins 4 fois 1 demi, 4 moins 2, 2 sur 4, 1 demi. Donc lambda est égal à 1 demi. On vérifie dans la première équation que si on met lambda est égal à 1 demi et mu est égal à 1 demi, on trouve bien l'égalité. Donc ici, on remplace par exemple ici mu est égal à 1 demi, on trouve, donc ici on trouve 0, ici on va trouver 2, ici on va trouver 0. I, x égale à 0, y égale à 2, z égale à 0. Donc les coordonnées du point d'intersection I, point d'intersection des droites AB et CD, eh bien c'est 0, 2, 0 qui ne dépendent pas de n. Donc AB et CD sont bien ces quantes pour tout n appartenant à n. Question 3. Proposez deux exercices sur le thème géométrie de l'espace, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Alors, question numéro 3, donc proposition d'exercice sur le thème de géométrie dans l'espace. Donc moi je vais vous proposer un exercice de type brevet qu'on pouvait avoir en 2005 et qui utilise donc la géométrie dans l'espace, donc la vision dans l'espace, et le théorème de Pythagore pour calculer des diagonales d'un parallélépipède rectangle. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumat.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves, écrites et orales, du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des sciences et technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées est la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques, cbmath.fr, rubrique CAPES. Voici l'énoncé. Parallélépipède rectangle, d'après le brevet 2005. ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. On donne AE est égal à 3 mètres, AD est égal à 4 mètres, AB est égal à 6 mètres. Question 1A. Que peut-on dire des droites AE et AB? Justifiez votre réponse. Question 1B. Les droites EH et AB sont-elles séquentes? Question 2A. Calculez EG, on donnera la valeur exacte. Question 2B. En considérant le triangle EGC, rectangle en G, calculez la valeur exacte de la longueur de la diagonale EC de ce parallélépipède rectangle. Question 3. Montrez que le volume de ABCDEFGH est égal à 72 mètres cubes. Question 4. Montrez que l'aire totale des faces de ABCDEFGH est égale à 108 mètres carrés. Que peut-on dire des droites AE et AB? Donc AE et AB. Donc ici, AE et AB sont perpendiculaires car le quadrilatère qui constitue la face ABFE est un rectangle. Donc ici rectangle ABFE, donc BAE est un angle droit. Alors les droites EH et AB sont-elles séquentes? AB et EH. Alors ici, non, elles ne sont pas séquentes. Car ici, AEH appartient à la face ADHE et AB à la face ABFE. Ils n'ont pas de point commun, donc il n'y a pas de séquente. Donc les droites EH et AB ne sont pas séquentes. Donc les droites EH et AB ne sont pas séquentes, car EH est incluse dans la face ADHE et AB est incluse dans la face ABFE. Ils n'ont pas de point en commun. Alors, calculer EG. Donc, EG, ici, on va considérer le triangle rectangle EFG. Donc, dans le triangle EFG, rectangle en F, on sait que
Donc on sait que EF est égal à AB est égal à 6 mètres. Et donc FG est égal à AD est égal à 4 mètres. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer EG. Donc ici EG au carré, c'est l'hypoténuse, est égal à EF au carré plus FG au carré. 6 au carré plus 4 au carré. 36 plus 16, ce qui nous fait donc 52. Donc EG est égal à racine carrée de 52. Or, 52, c'est, pour simplifier 52, on peut le diviser par 4. Donc ça fait 13 fois 4. Racine carrée de 4 fois 13. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 13. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc 2 racine carrée de 13 mètres. Donc valeur exacte, 2 racine carrée de 13 mètres. Valeur approchée, 2 racine carrée de 13, on trouve 7,21 mètres. Alors, EGC est un triangle rectangle en G. Donc, dans le triangle EGC, rectangle en G, on sait que... Alors, on sait que EG est égal à 2 racine carrée de 13 mètres. Ensuite, GC est égal à... à AE est égal à 3 mètres. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer EC. Donc EC, donc l'hypoténuse du triangle rectangle EGC, EC au carré est égal à GC au carré plus EG au carré. Donc, 2 racine carrée de 13 au carré plus 3 au carré. C'est 4 fois 13, on avait dit que c'était 52, plus 9, égal à 61. EC est égal à racine carrée de 61 mètres. Valeur exacte. Maintenant, pour avoir la valeur approchée à 10 moins 2 près, donc on peut faire racine carrée de 61 à la calculatrice, on trouve 7,82. Donc 7,82 mètres. Alors, le volume de A, B, C, D, E, F, G, H. Bien, c'est ici 3 fois 6 fois 4. 3 fois 6 fois 4. 24 fois 3, et ça fait 72 mètres cubes. Alors, R, total des faces de A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, l'air, donc la surface latérale en fait, hein, l'air de surface latérale de A, B, C, D, E, F, G, H. Alors ici, on a deux fois, donc on va colorier ici les faces. On a cette face-là, et c'est la même que cette face-là. Ensuite, on a cette face-là, qui est la même que cette face-là, et cette face-là, qui est la même que cette face-là. Donc on a deux fois deux, donc des paires, on a trois paires de faces en fait, trois paires de faces. Donc ici on a deux fois, donc en jaune c'est 6 fois 4, 6 fois 4, 6 fois 4, oui, plus deux fois 6 fois 3 en rouge, 6 fois 3, plus, donc deux fois 4 fois 3, 2 fois 4 fois 3. Donc ici 2 fois 24 plus, on factorise par 2 en fait, hein, 24 plus 18 plus 12. 18 plus 12 ça fait 30, donc 2 fois 24 plus 30, 54, 2 fois 54 ça fait 108, 108 mètres carrés. Donc la surface totale des faces de ABCDEFGH 108 mètres carrés.